Bonjour à tous, bienvenue sur Saint-Leu TV. Ce soir, je vais vous présenter un émincé de poulet à l'ananas caramélisé. Alors, pour l'émincé de poulet à l'ananas caramélisé, j'ai prévu 600 g de poulet émincé. J'ai prévu deux ananas, puisqu'on va présenter la préparation dans la peau de l'ananas. J'ai prévu, après ça va être du vinaigre dans un caramel pour faire revenir les ananas qu'on verra au fur et à mesure de la recette. Maintenant on va préparer l'ananas, on va évider l'ananas. Alors j'ai pris deux beaux ananas, on va couper en deux. De façon symétrique pour que ça fasse joli dans l'assiette. Voilà, donc on va les vider. On va faire attention de ne pas couper la peau sur les côtés parce que sinon ça va faire des trous et on va renverser la préparation sur les côtés, ce serait dommage. Voilà, je fais des stries à l'intérieur pour que ce soit plus facile d'enlever l'ananas. Alors, je prends la grosse cuillère, c'est plus facile. Vous allez voir, c'est une technique assez facile à réaliser. Donc on a réalisé des petits dés. Voilà, on va racler un petit peu le fond sans trop aller trop profondément dans l'ananas pour permettre de pouvoir utiliser cette peau qui va recevoir notre préparation, notre appareil un peu plus tard. On va récupérer bien sûr le jus de l'ananas. Voilà, il y a une peau qui est terminée. Voilà, donc maintenant je vais hacher les morceaux d'ananas. Pour cela, j'ai un petit appareil, un petit hachoir manuel. Un peu de bruit, hein. Voilà. Là, on va vérifier la texture. Bon, là c'est pas mal. Ça fait des petits carrés en fait. Hein. Ça fait des petits carrés d'ananas. Pas trop fin bien sûr, mais pas trop gros non plus. On va mettre pas trop. Et ça va nous broyer. Surtout, moi je mets tout. Hein, le milieu d'ananas, là, le diode d'ananas, hein, je vais pouvoir le broyer et je vais pouvoir l'utiliser dans mon appareil. Voilà, très bien. On va répéter l'action. On a bien sûr gardé le jus de l'ananas. Hein. Voilà, nous avons terminé l'ananas qu'on a évidé. Ça va nous permettre de recevoir nos appareils tout à l'heure. On a coupé les morceaux d'ananas en petits morceaux avec le petit broyeur. Et puis, bon, maintenant je vais préparer mon petit caramel.
Donc je vais prendre allez, 2 cuillères à soupe de sucre. Et je vais y mettre un tout petit peu d'eau et je vais mettre un feu léger et on va devoir tourner tout ça. Bon, par contre il faudra tourner régulièrement pour que le caramel se forme. Hein. On va tourner continuellement. Voilà, donc mon caramel commence à bien fondre. On va attendre encore un petit peu et on va y rajouter une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà, on va laisser encore prendre un petit peu. On tourne constamment parce que sinon le caramel va être brûlé. Et ce serait dommage, ça donnera un mot. Voilà, notre caramel est prêt. On va pouvoir rajouter à soupe de vinaigre. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mélanger notre ananas. Et on va laisser cuire lentement dans son jus. On va le laisser prendre des couleurs. Et une fois qu'il aura pris des couleurs, on va y rajouter un bouillon de poule. Voilà, donc on va le laisser cuire tranquillement sur un feu doux. Voilà, maintenant pour notre émincé de volaille, on va faire un petit beurre d'huile, préparer un petit beurre d'huile dans lequel on va les faire revenir. On va laisser chauffer tout ça.
On va y rajouter nos émincés. Alors l'émincé de volaille, on peut faire aussi avec un émincé de bœuf, de porc, de dinde. Vous pouvez faire la même recette avec, avec d'autres viandes. Hein. Il y a bien la viande de partout, bien tournée. En même temps, on retire notre petite cuisson à côté, pour ne pas que ça brûle. On va laisser bien prendre la couleur. Donc on peut lancer les deux cuissons en même temps, c'est plus pratique. Parce que la cuisson de l'ananas est quand même assez longue. Voilà, on va faire frire un petit peu notre émincé. Rajouter un peu de poivre. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'épices hein, pour cette recette. Hein. Thank you.
Ok. L'émincé commence à prendre un peu de couleur. On va le laisser dorer légèrement. Rajouter un peu de sel. L'ananas commence à changer un peu de couleur. Donc on va bientôt arrêter la cuisson du poulet qui commence à dorer aussi. Voilà, donc on va arrêter la cuisson de l'émincé de poulet qu'on va réserver. Voilà, donc l'ananas a pris la couleur. Je vais pouvoir rajouter mon bouillon de poulet. Le bouillon de poulet. Voilà, donc j'ai rajouté le petit bouillon de poulet et je vais laisser mijoter quelques instants avant d'y mettre les émincés de poulet. Laisser prendre un peu prendre un petit peu la couleur, que le poulet se mélange bien, le bouillon de poulet se mélange bien. Et puis tout de suite. Maintenant que tout est prêt, la petite préparation est prête, on va pouvoir y rajouter les émincés de poulet qu'on va laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes avant de faire le dressage.
bien mélanger la préparation. Voilà, donc maintenant on va laisser mijoter 10 minutes à peu près, à feu très doux, et on pourra faire le dressage.